La manifestation d'aujourd'hui, en reprenant les grands thèmes qui ont été décidés par l'ensemble des organisations, les 9, qui appellent à cette manifestation. Le premier point, c'est la question du pouvoir d'achat de nos pensions. Vous savez que depuis la fin des années 90 et la fin de l'indexation des pensions sur les salaires, les retraites subissent une érosion régulière, progressive, de leur pouvoir d'achat. Sous l'effet conjugué de 3 facteurs, les blocages successifs des pensions d'abord, à plusieurs occasions, une augmentation de la fiscalité ensuite et une explosion des prix enfin. Le résultat, c'est une érosion de notre pouvoir d'achat qui amène de plus en plus de retraités vers la précarité. Face à ces situations, nous exigeons ensemble l'augmentation des pensions pour vivre décemment. C'est une urgence. Le deuxième point, c'est la prise en charge de la perte d'autonomie. C'est une arlésienne, on en a parlé, on nous l'avait promis, elle devait arriver au printemps, elle n'arrivera pas. Cette année, semble-t-il, l'année prochaine peut-être, on verra. La perte d'autonomie est indissociable d'une approche globale de la santé, c'est pour ça que nous tenons à ce principe. Elle doit être reconnue dans la branche maladie de la sécurité sociale avec un financement par les cotisations sociales. La situation sanitaire ensuite, je crois que ça sera repris dans les différentes interventions. La crise de la sanitaire qui perdure, qui continue à générer une espèce de sidération et d'angoisse dans un contexte complètement anxiogène, angoisse créée par le cafouillage et les contretemps des gouvernants, la pénurie de vaccins et le retard pris dans la campagne de vaccination. Nous exigeons une accélération de la vaccination de toutes celles et ceux qui le souhaitent. Le vaccin doit être gratuit et produit massivement. Nous demandons la levée de la propriété privée sous les brevets de vaccins. Le quatrième point, c'est le rôle et la place des services publics sur tous les territoires. Les services publics doivent répondre aux besoins de tous et de toutes avec le maintien des guichets et des accueils physiques dans les administrations. Et particulièrement dans le domaine de la santé, de l'action sociale, des transports et du logement. C'est une urgence partout, notamment dans les territoires ruraux. Et le dernier point, qui n'est pas un point de revendication, mais qui est quand même important aujourd'hui quand on entend les petites musiques qui se profilent sur les médias, sur les antennes de télévision, c'est le refus des discriminations dont sont victimes de plus en plus les retraités et les personnes âgées. Il y a un nouveau terme qui apparaît maintenant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça s'appelle l'âgisme, avec un grand A et un chapeau sur le A. C'est un terme porteur de divisions profondes. C'est un projet, c'est une forme de rejet des personnes âgées qui tente à se répandre dans les médias. Un exemple, je ne dirai pas son nom parce qu'on serait ensuite capable d'être attaqué, un célèbre essayiste, journaliste, écrivain qui déclarait récemment sur SMC « Toutes les vies n'ont pas le même prix » et d'expliquer qu'il faut sacrifier le passé au profit de l'avenir. En clair, on fait trop d'efforts pour les vieux. On a commencé par eux, même pour le vaccin. Ces propos se développent et sont discriminatoires et contraires au principe de solidarité entre générations. Et nous nous opposerons à l'agisme, à ces discours et à ces conséquences. Nous combattons ceux, nous combattrons, et nous les combattons, ceux qui veulent opposer les générations entre elles et qui veulent masquer la responsabilité de ceux qui ont pendant des années asphyxié hôpital et taillé dans les ressources de la sécurité sociale. Ah,
Je suis Danielle Lopez, je suis secrétaire départementale de l'UDRFO. Je voudrais rajouter un petit mot par rapport à ce que le camarade Pioche a dit. Le délabrement de la santé est notoire et c'est vraiment affligeant. Par toutes ces suppressions de postes, de lits dans les services, des fermetures d'hôpitaux, on l'a vu encore dernièrement, où les médecins et notamment le docteur Prudhomme, médecin urgentiste de Marseille, est monté au créneau là-dessus. Il y a des grands hôpitaux parisiens qui vont fermer, comme Bichat, l'Hôtel Dieu, Beaujon et d'autres. C'est inacceptable. On voit notamment aussi que en février dernier, le ministre de la Santé a vulgarisé par un décret la déprogrammation des soins et des interventions chirurgicales, qu'on soit atteint du Covid ou autre. C'est inacceptable aujourd'hui en France. Il nous faut la réouverture des structures avec des personnels suffisants, de façon qu'on se fasse soigner et qu'on puisse se faire soigner comme ces années passées. Ce qui demeure aussi inquiétant sur notre département, c'est que demain, il ne va plus y avoir qu'un seul GHT, un groupement hospitalier de territoire au profit de Sens. Donc Auxerre va devenir un hôpital de proximité où il y aura seulement, on traitera la gériatrie, de la rééducation fonctionnelle. Bref, on peut considérer d'ores et déjà que la population du centre du département et du sud vont malheureusement être victimes d'un éloignement de l'accès aux soins, puisqu'il faudra se rendre sur Sens. Mais pire encore, c'est que les gens qui seront du Tonnerrois ou de la Vallonnée pour monter sur Sens, ça fait 60 à 80 km de plus. C'est vraiment abominable. Notre département au niveau économique est en train de s'étioler. C'est affreux. C'est affreux. Voilà ce que j'avais à dire notamment. Nous on s'inscrit aussi dans tout ce qui vient d'être dit hein, par rapport par rapport au point d'achat, ce que Jacques Pioche a dit, et par rapport aussi aux suppressions de lits depuis longtemps et au fait que l'hôpital soit devenu un objet de rentabilité. Donc un exemple tout proche là, je viens de recevoir ce matin une pétition que je vous invite vivement à signer tous. C'est par rapport à l'hôpital de Villeneuve-sur-Yonne, qui comprend encore un service de médecine, un EHPAD et un service de rééducation. Hein. C'est un service de suite. Voilà. Sous prétexte que les normes de sécurité incendie ne sont plus respectées dans deux services, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait à temps les travaux de réhabilitation, les 54 lits d'EHPAD et 26 lits de service de suite vont être fermés dans un avenir proche. Il n'y a pas de précision sur là où seront déférés les malades. Voilà. Donc, aucun projet de mise en conformité n'est prévu non plus. Donc, on est à craindre que ce service non seulement ferme, mais que peu à peu la médecine aussi soit touchée, hein, et soit éliminée. Donc, ça fait encore des lits en moins de proximité sur l'hôpital, sur le département. Voilà. Donc, on vous invite à signer cette pétition là. C'est toute neuve. Je voulais signaler autre chose, je ne sais plus. Oui, j'ai aussi eu un message ce matin, plus particulièrement par rapport à l'Auxerre, donc disant que les soignants sont complètement épuisés avec l'augmentation des malades par le Covid et qu'il y a 10% d'absentéisme parce que les gens, ils n'en peuvent plus, les soignants n'en peuvent plus. Voilà. Donc on en est dans cette. Et la fermeture de lit continue à être en prévision de suppression. J'ajoute une petite information, enfin une information que j'ai eue ce matin généralement sur le plan national, c'est que en raison de la priorisation des soins Covid, il risque d'y avoir 13 500 morts prématurées du cancer parce que manque de soins ou d'opérations disponibles. Voilà, retard d'opération, retard de soins, etc. Voilà. Bon, je sais pas, j'ai souvent d'autres. Bon, merci Martine, parce que ça résume bien la situation sur le département. Alors, pour information, nous avons rendez-vous à 11h30 à l'ARS.
une délégation sera reçue. Et vu tout ce qu'on vient d'énumérer, je pense qu'on a pas mal d'arguments à fournir auprès de l'ARS. Je ne sais pas si on aura beaucoup de réponses. Une autre entrevue est programmée cet après-midi. Nous n'avons pas pu avoir directement monsieur le préfet, mais nous avons une délégation qui est reçue à 15h30 au cabinet du préfet. Nous irons pour faire remonter nos revendications, comme Jacques Pioche l'a dit tout à l'heure. Par contre, nous maintenons et nous tenons à avoir un entretien directement avec le préfet. Donc, pour le moment, il n'est pas programmé, parce que c'est... Alors, déjà, le préfet, on dit qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir. Alors, le chef de cabinet du préfet, voilà. On aimerait bien rencontrer directement le préfet, en tant qu'il n'a pas eu la visite des retraités, et qu'il montre un peu de considération envers les retraités. Et je veux revenir aussi sur le dernier point que Jacques, dont Jacques parlait tout à l'heure, par rapport à l'âgisme. Il y a le double effet, on monte les jeunes contre les retraités et on monte les retraités contre les jeunes. Il y a vraiment un effet dans les médias très délétère. On oppose deux générations et nous, ça ne peut pas nous convenir. Et ça ne nous convient pas du tout. Voilà, les jeunes sont avec nous, ils sont dans la galère et les retraités ne sont pas des nantis. Je suis allé me faire un petit peu.
Qu'est-ce que vous avez pu faire?